été sympa, mais comment on... Ouais, comment on nous tient? Ok, d'accord. Ah, d'accord. Ah, sympa. Lapis Lazuli et... Ice. Oh, il est beau ce bloc, je trouve. Attendez, je le teste. Attendez, est-ce qu'il y a d'autres manières de le faire? Apparemment non. Hop. Ouais, évidemment. Le lapis-lazuli, il est... chez moi, il est... Comme ceci. J'en fais plusieurs, on va bien voir ce que ça donne. Alors, qu'est-ce que ça donne, ça, comme bloc? Ouais, il est sympa, ce bloc. Non, franchement, j'aime bien. Oh oui, je pense avoir trouvé mon bonheur. Avec un peu d'éclairage, ouais, non, franchement, il est... Non, j'aime bien. Je sais pas ce que vous en pensez, le Frozen... J'essaye les autres. Donc les Frozen... Les Frost, hein, ce sont les Frost. Il y a celui-là, il y a le... Ok, il y a du... En fait, on retrouve un petit peu les... Ok, et simplement ça se recraft. En se recraftant, ça devient des... Ça devient des stone bricks. Ouais. Oh, je préfère les lisses quand même. J'aime bien les lisses. Franchement, les lisses, ils sont, je les trouve beaucoup plus beaux. Ouais. Allez, va pour ça. C'est bon, j'ai choisi. Et comme quoi, on aura choisi ensemble. Non, franchement, ouais, non, je sais pas, ça m'attire. Ça m'attire. Donc, je vais juste me faire un autocraft de ça. Et il doit pas savoir faire du lapis. Voilà, je pense pas qu'il sache reconvertir du lapis, donc on va... Hop. Et puis ben, on débloque, ouais. Voilà. Hop. Non, franchement, on va se faire un truc sympa. On va juste... Hop, tout ça on va le rebalancer. Je manquerai une bonne quantité et balancer tout ça directement dans le land. Donc hop, voilà. Et tout ça va arriver de l'autre côté. J'ai pas besoin de le trimballer moi-même. Et on va déjà commencer la base. On va commencer la pause. Alors, ah oui, je commence un mini-bloc. Je pense à 4 pleins. 4 pleins. Donc ça fait en fait 4 ennemis. Hein. Et puis le plafond par-dessus. Attendez, excusez-moi un instant. Ouais, puis le plafond par-dessus, ben... Non! Reviens! Oh, bon. Ah, puis bien sûr, je vais avoir fait spawner des Endermen avec ça.
Ah, il va y avoir un Enderman qui va spawner dessus, vous allez voir. Non? Bah j'ai de la chance. Bon. Voilà, puis là, bah, on va avoir notre truc. La frise de Quantum Chest, de Quantum, pas de chest, de Quantum. Oh, si, c'est classe, c'est classe, c'est classe. Ah ouais, mais là le problème c'est que il y a 4 blocs, mais va falloir que j'agrandisse encore. Parce que je spawn ici. Donc ici on va doubler, on va mettre du... Donc là on est à 5,5, bon, on va mettre du 8,5. Bon, c'est juste histoire que ça spawn pas pour le moment. Mais ouais, on va faire ça. Oh non, sérieusement, non, je kiffe ce bloc. Je sais pas pourquoi, il est bleu, il est beau. J'aime bien le bleu. Hein, soyons francs, hein, j'aime bien le bleu clair. Ouais, peut-être que ça me rappelle la mer de Normandie. Hein. Donc, j'ai dit 8. Ça, donc là, on est à 4, 5... 6, 7 et 8. Ouais. Au total, ça me fait 9 blocs, hein, remarque. Hein. Avec le demi qu'il y a. Donc, ouais, donc non, ça tombe plutôt bien. Bon, d'accord, c'est un peu uni. Ouais, donc va falloir que je trouve une solution pour couper un petit peu. T'as reçu d'autres trucs. J'ai plus de bouffe. Je dois retourner dans l'overworld, j'ai plus de bouffe. Bon bah c'est tout. Donc ouais, donc ça va être une salle un peu comme ça. Je pense que ça va. Ouais, ça va donner un peu. On va faire un peu de construction ensemble, hein. On n'en fait jamais. C'est vrai que j'en fais jamais. Donc bon. En plus ça va relativement vite avec la wand de construction. Je pose les blocs 9 par 9. Biatch. Donc non, sympa. Sympa. Va falloir que je voie jusqu'où je vais, par contre. Ça me fait bizarre la phrase que je viens de dire. Jusque où je vais, jusqu'il faudrait que j'aille. Ce serait un peu plus français. Où devrais-je m'arrêter? Pense que je vais m'arrêter. Attendez, je vais juste, c'est justement, c'est juste mettre une marque là où je vais m'arrêter. Donc là, je suis à 3 blocs. Donc ici. Ici, il y aura une entrée de 3. Ouais, on va faire ça comme ça. Ok, j'ai plus de...
j'ai dépassé. Non, j'ai pas dépassé. Ah, évidemment, ça dépend, ça dépasse. Non. Ouais, je sais, à chaque fois, je la sors. Bon, c'est une référence, hein. Il peut rien. Il y a la Enstone aussi, je pourrais très bien couper un petit peu avec de la Enstone Brick, ça... Ouais, je sais pas si ça donnerait bien. C'est orange, bleu et orange, enfin, c'est jaunâtre, hein. Si vous l'avez vu, je m'en sers dans ma tour à mob, en fait, de cette brique-là. Hein. Parce que je trouvais que la Enstone Brute était trop moche, donc j'ai préféré utiliser ça, mais... Voilà quoi. De toute façon, ce sera voué à disparaître, ça ce sera voué pas. Salut! Putain, j'y crois pas quoi, je m'éloigne 2 minutes, ça y est, il en profite pour sonner. Voilà, bon bah écoutez, on a notre... Ouais, ça fait un peu salle de bain, hein. Non? Mais bon, c'est plus convivial que l'end. Plus convivial que l'année en général. Bon, moi j'aime bien. Donc soyons clairs. Ah oui, va falloir que je casse un petit peu le sol, mais bon. Alors, on va aller jusque là. Et là. Ces blocs là on les cassera, on les remplacera par autre chose. Ok, on va... Hop, taillé. Ouais, donc ça va faire 4,5, donc ça va être... Enfin, ça va être 3,5, donc ça va être beau, hein. Ça va être bien, ça va être bien. Hop, hop, hop. Voilà, il reste plus qu'à tailler un petit peu ça. L'avantage de la stone slab, hop, c'est que ça se casse en un clic. De l'extérieur c'est pas encore trop terrible, mais de l'intérieur, au moins quand on arrive, c'est bleu et c'est pas noir, brillant, la l'end dégueulasse. Non, je déconne, j'aime bien l'end, hein, en fait, hein, j'aime bien cet univers un petit peu, enfin ce Skyland quoi, hein, c'est typiquement ça. Voilà, bon, après il faudra qu'on détermine qu'est-ce qu'on fait après. Ici c'est juste la porte d'arrivée en fait, hein. C'est juste le... Voilà quoi, l'arrivée. Il y en a un qui est pas content, qu'est-ce qui se passe? Vous avez élu un délégué syndical ou qu'est-ce qui se passe? Non, je déconne. Je plaisante. Non mais... Bon, non, moi ça me plaît, ça me plaît, ça me plaît, ça. Ouais, oh, vu d'en dessous, ouais, si, ça se tient. On continue, on va sur un petit couloir sympa. Alors ça, j'aimerais les modifier. J'aimerais modifier. Est-ce que si je fais... Est-ce que si je fais un truc du genre... Du genre comme ceci. Ouais.
marron classe. Non, moi j'aime bien. Non, allez, j'aime bien. On va... on va repartir sur un truc comme ça. Ça va être un petit peu uni pour le moment, mais je mettrai bien quelque chose, hein, une frise, comme je vous ai dit, Quantum. Ouais, je pense que le Quantum, c'est une bonne idée quand même. L'ordinateur quantique, là, ça peut être sympa. Alors, je sais à quoi il sert en temps normal, mais moi, ça m'intéresse pas de m'en servir en tant que TP de salle, parce que c'est ce à quoi ça peut servir. Non, non, moi, je suis pas parti dans ce délire, non, non, je suis parti dans autre chose. Non, j'utiliserai dans autre chose. 3, 4, 5. Oh, un couloir de 5, ça fait bien quand même. Allez, hop. Donc évidemment, il va falloir que je prolonge d'un pour... Bon, ça, hop. Résultat, ça, aucun intérêt. Je vais bientôt mourir de faim, j'en ai conscience. Mais bon, j'ai pas loin à aller pour retourner dans l'overworld, hein. Voilà, bon. Ben, donc quand on arrive ici, ouais, bon, bah ben, voilà, y a un petit couloir, c'est sympa, et puis ben, là, on va pouvoir accéder à notre base un peu comme on veut. Je regarde ce que je renvoie dans le... Ah oui, il y a l'under infused, ouais, c'est vrai, ça je peux m'en servir. Du noir avec du bleu, ça peut le faire, ça rappellera un peu la couleur du portail. Hein. On va essayer. Ah ah. Salut les mecs. J'arrive les mecs. Bah ouais, logique. Faut vraiment que je recouvre tout de là. Comment ça se fait que j'ai récupéré de la bouffe? J'en avais encore en stock en fait. Ah le... J'avais de la viande de zombie. Bon allez, dégagez. Dégagez de là. Allez, hop, dégage. Voilà. Au moins ça spawnera plus. Bon, tu décides quoi? Allez, ramène-toi. Bon. Ça on va le couper, on va... Hop.
Ici. Ok. Je vais me rechercher de la bouffe. Qu'est-ce qui me manque? Il me manque des idées. C'est ce qui me manque. Hein. Ce qui me manque, c'est de l'idée. Mais ça devrait le faire. Là, de l'infusé. Ouais, mais de l'infusé. Le problème, c'est de l'infusé. Je vais avoir besoin de. Hop. Je vais avoir besoin d'Underboule. Donc pour le moment voilà. Donc je sais pas du tout à quoi sert l'infusée dans temps normal, mais voilà. Alors bah en soi on va faire un auto-crafting aussi, puis l'envoyer directement là-bas. Ce sont des matériaux de construction. Hop. Hop, vas-y. Si, je voudrais vraiment tester ça quand même. Et le quantum. Le problème du quantum, c'est que. Ouais, c'est ça. Le problème du quantum, c'est que ça coûte cher. Donc ça se voit pas, mais il y a une glace panel là en plus. Hein. Une glace panne en plus. C'est même pas une glace panel normale, c'est une glace panne. C'est encore autre chose. C'est fait. Ah bah non, c'est. Hein. Ah non, c'est la glace panel, mais elle est considérée comme étant de Manufacturer Reloaded. C'est bizarre. Hop. Est-ce qu'un con. Allez, on va essayer ça. Je vais aller récupérer les deux là-haut. Mais on va donc. Computer. On va en crafter 64. On va bien voir ce que ça donne. Ça coûte. C'est un peu cher ça, mais. Et pareil pour le InfuZ. Le InfuZ, on va en crafter 64 pour le moment. Dès qu'on va avoir des Underboules, ça sera bon. Non, le marbre. Ah si, le marbre, ça aurait été peut-être pas mal de le mettre avec le bleu en fait. Ça aurait peut-être pas donné trop mal. Mais non, il y a déjà les Stone Labs qui sont blanches. Donc non. Quoi que je réfléchis, mais justement avec le bleu, le vert flashy, là, ça va peut-être pas le faire. Le noir serait peut-être le mieux venu en fait. Bleu, noir et blanc. Ah c'est bizarre, on retrouve un peu les couleurs de mon site d'ailleurs. Il manquerait plus qu'un peu de gris. Oh oui, tiens, c'est pas une idée. Enfin ouais, les stone slabs sont entre blanc et le gris en fait. Ouais, qu'est-ce qu'on a en matière de gris? Qu'est-ce qu'on a en couleur grise qui pourrait être sympa? Le gris ça fait bien ressortir le blanc en fait, ça fait bien sortir. Et le blanc et le bleu clair. Je trouve que c'est trois couleurs qui vont bien ensemble. Bah oui, il y a simplement les craies. Les craies. Voilà, la light gray dyes. Voilà, le light gray. Alors celle-là, cette couleur-là, j'adore. Le gris clair. Ouais, non. Enfin, je l'aime bien, mais quand c'est couplé avec quelque chose, quoi. Seul, ça vaut rien. Seul, c'est triste, mais dès qu'il y a un peu de bleu ou une autre couleur qui s'associe bien avec, ça le fait quoi. Bon. Ah, il fusionne pas, je sais pas pourquoi. Alors, hop. Moi je suis d'avis à essayer ici. Hein.
Non! Tant pis. On va essayer comme ceci. J'ai oublié de prendre la bouffe. C'est la vie. C'est ça d'être un peu tête de linotte. Qu'est-ce que ça donne? C'est à ce niveau-là comme ça. Ouais, bon, peut mieux faire. Peut mieux faire. Hop. On va essayer ça. L'avantage de ça, c'est que ça donne un air animé hein, au truc. Est-ce que si j'inverse... Oh, si j'inverse, est-ce que ça donnerait quelque chose de sympa? N'empêche, c'est classe comme ça un petit peu. En fait, quand c'est complet, c'est relativement classe. Attendez, j'essaye l'inverse. J'essaye l'inverse, c'est-à-dire les computer craft en dessous, enfin les computers, ouais, les computers en dessous. Bah je suis con moi. Ah ouais, c'est sûr qu'avec computer craft, je peux faire des trucs sympas. Non, donc c'est les computers en bas. J'ai dit que je voulais essayer. Non, même ça, il veut pas. Ouais, par contre, c'est chiant à poser les résultats. Allez, ouais, allez, hop. On va les poser comme ça. Donc, comme ceci. Et en haut. Ouais, à mon avis, ça me plaît mieux comme ça quand même. Mais, ouh là! Voilà, excusez-moi, éternuement. Il y a des choses qui arrivent. Hop. Ouais, ça me parle mieux comme ça. Hein. La fusée d'en haut et les computers en bas. Ouais, je pense que c'est mieux. Et puis en fait, j'en utilise pas tant que ça. Enfin, tout ça coûte relativement cher, mais... Faut voir après hein, si les écrans de Computer Craft, je peux faire quelque chose de sympa. Je peux certainement faire quelque chose de sympa. Hein. Je réfléchis.
Qu'est-ce que je peux faire qui pourrait être sympa en programme? Vous savez, Hyper avait fait un truc, enfin comment, dans FTP saison 1, si je dis pas de bêtises, c'était la saison 1 ou la saison 2. Il y avait Aznet qui avait fait un truc sympa dans la base d'IPR, c'était des écrans avec des vaisseaux qui circulaient. Je compte pas faire ça, mais un truc dans le même genre, ça pourrait être cool. Genre des étoiles qui scintillent, ou je sais pas. Des nombres en binaire. Qui circule. Ah ouais, ça serait cool ça. Genre un code binaire qui circule. Non, ça serait vraiment cool. Non, je préférerais, ouais, à la limite, ouais. Ouais, puis ça me correspond un peu plus. Ouais, non, franchement, je préférerais ça à la limite. Parce que ça. La fusée, elle est moche, hein. Elle me va pas. Mais non, je vais faire du computer craft. Je vais faire du computer craft. Je serai beaucoup plus à l'aise et ça me permettra en plus de retomber dans le mode. Vas-y, paye ta durée de minage, toi. On va faire un test, hein. De toute façon, on va tester le des programmes. Je pense faire un mat random. Faut que je voie le random en Lua, comment il se fait. Est-ce qu'on peut faire défiler du code source? Je dois avoir des codes sources qui doivent traîner. Est-ce que je peux les imprimer et les faire. Enfin les imprimer, les envoyer dans Computer Craft? Je peux certainement, hein, c'est que du texte, hein, donc aller chercher le contenu d'un fichier qui est sur mon serveur web, vu que je peux faire communiquer Computer Craft et mon serveur web. Ah, je peux faire des trucs. Si, je peux faire des trucs sympas. Plus mon serveur web. Faut que je vérifie, mon serveur web, il doit être lancé. Ah non, tiens, chose rare, mon serveur web n'est pas lancé, tiens. Ouais, allez, hop, ça de toute façon ça va pas. Donc je pense faire ceci. L'idée des computes des quantum là, ça me parle bien. Et je compte faire simplement, donc ici on va reboucher. Je compte tailler deux de haut au-dessus des computers. Enfin des quantum, en fait, des quantum computers. Et mettre des écrans, simplement, qui font défiler soit du code binaire, soit du code PHP que j'ai saisi moi-même. Le contenu peut-être de mon framework personnel. Sachant qu'il faut pas que je mette le fichier où est le. Mon mot de passe de base de données, des trucs comme ça, mais non, si je pourrais faire défiler du code PHP, sympa. Ou même du code généré aléatoirement, je veux dire, je rends toutes les fonctions de PHP dans un tableau à deux dimensions, je crée un mat random, je. Non, il y a moyen de faire des trucs sympas avec PHP et Computer Craft. Je réfléchis, hein, je réfléchis. Franchement, j'ai plein d'idées qui fusent là dans ma tête. Dès qu'on parle programmation, moi, de toute façon, c'est bon, hein, c'est fini, vous me perdez. Hein. Oh, tais-toi. Donc, je réfléchis, mais à mon avis, ça va partir dans ce sens-là. Hein. Si je me lance dans de la programmation, et galère. Bon, ça va, petite galère. Alors l'écran, est-ce que je le fais 3 de haut ou attendez, je réfléchis. Est-ce que je peux avoir du code qui déroule? Je vais lancer mon serveur web déjà dans un premier temps. Hein. Donc je suis sous Windows, donc c'est WAMP. WAMP, voilà. Ouais, sympa, merci.
Ouais, mais si je lance NetBeans en même temps que FTP, ça va pas le faire. Bon, tant pis, je tente le coup. Si ça rame, c'est le lancement de NetBeans. Ah bah, tiens, suffit d'en parler. Je crois pas. Ouais. J'allais dire. Non, ouais. Ah, oh, oui. NetBeans s'est mis au premier plan, évidemment. Attendez, juste. Oh, hé hey. Il faut que je regarde le code source que je peux faire afficher à l'écran. Sinon, je fais juste un mat random qui fait afficher du binaire. Hein. C'est pas très sorcier non plus. Hein. C'est pas de la magie vaudou. Non, non, je sais pas, j'aime bien. Alors je sais que ce n'est pas fait pour. Je sais que les quantum computers ne sont pas faits pour de la décoration, mais c'est leur aspect animé. Oups, c'est leur aspect animé qui me plaît beaucoup et c'est pour ça que j'ai vraiment envie de faire ça comme ça. Donc j'ai vu que pour qu'il fonctionne, il faut de la glace, de l'or et de l'obsidienne. Hein, pour les faire fonctionner, pour créer la fameuse frame dont il parle, il faut ces éléments-là. Il y aura... Bon, de l'obsidienne, il y en aura peut-être. Mais du gold, déjà, je m'en servirai jamais dans mes constructions. Simplement parce que le jaune et moi, ça fait deux. J'ai dû réaliser hein, relativement récemment un... Oh non, il y a quand même un bout de temps. Mais un site web où le code couleur, donc c'était pas pour moi, hein, c'était pour un établissement public. Et je devais donc respecter un code couleur et il y avait du jaune fluo pour ce site. Et je me suis dit... Comment je vais me débrouiller pour intégrer du jaune fluo bah simplement voilà quoi dans le code couleur du site. NetBeans, qu'est-ce que tu me fais? Attendez, donc je vais jeter un œil à NetBeans pour savoir si j'ai du code sous la main. Ça c'est le site de l'association que j'ai fait il y a peu de temps, donc non, enfin un peu de temps. Pareil, ça commence à dater aussi ça. Là-dedans, je suis sûr qu'il n'y a rien. Il y a juste le fichier. Non, même pas. Pas forcément. Celui-là, il est vide et je peux mettre ce que je veux. Ouais, je peux mettre le contenu. Bon, il y a une centaine de fichiers, hein, mais ouais. Mais enfin certains fichiers, millions de lignes de code. Mais au moins il y aura du contenu à afficher sur Computer Craft. Non, ouais, peut-être sympa. Ouais, sachant qu'il y a du code qui est pas à moi, c'est du code propriétaire, je pourrais pas l'afficher comme je veux. Bon, attendez. Là j'ai une vingtaine de fichiers, c'est moi qui les codais, donc c'est moi qui ai les droits dessus. Donc ça c'est pas un problème. Bon, les fichiers CSS, c'est même pas la peine. Oh, ouais. Il y a ce fichier là aussi, je pourrais l'imprimer. Ouais, non, on peut faire des trucs sympas, je pense, avec Computer Craft et mon serveur web. Simplement, faut juste que je vous voie. Est-ce que c'est mieux d'afficher juste du code binaire qui va, voilà, quoi, qui va s'afficher? Ou est-ce que... On va essayer. Alors on va essayer déjà, je vais aller me chercher de la bouffe. Des écrans, il va falloir que je m'en fasse. Et puis non, franchement, ça commence à avoir de la gueule. Bon, allez. Hop. Bon, on fait ça, hein. Aujourd'hui c'est de l'aménagement. Je vais aller jeter un œil également à mon énergie. On fait la liaison. À mon énergie du côté.
Elle commence à bien se vider quand même. J'ai hâte de tester la réactivité du système que j'ai fait dans l'Ender. Franchement, l'énergie là-bas, ça va être génial. Par contre, la lave va partir à une vitesse folle. Parce que là, je n'avais qu'un stack. Là-bas, j'en ai deux. Un peu plus d'un stack ici. Là-bas, j'en ai deux. Je pense que ça devrait tenir, mais c'est pas impossible qu'il faut que j'aille remettre des pompes dans le nether, hein, pour vraiment faire perdurer la lave, même si à long terme, la lave disparaîtra. C'est juste que je veux garder la lave le temps d'avoir les underperles nécessaires. Je veux vraiment avoir les underperles nécessaires pour ça. Donc voilà. Donc je voulais de la bouffe. Je me nourris de poulet parce que je suis en train de vider cette ressource. Hop, ça j'en ai pas besoin finalement. Ok. Donc, la fusée c'est mort. Les computers on verra. Donc déjà il me refaut des. Il me refaut de ça, donc tu vas m'en remettre. Les computers comme ça, tu vas m'en remettre aussi. je pense que là, l'iron va se prendre une claque. L'iron va se prendre une claque monumentale. Mais bon. Bon, je pense que j'en ai assez quand même. Je réfléchis, mais je vais. Non, je vais m'en prendre. Je vais me prendre vraiment une sacrée claque. J'attends qu'il descende à 500, ouais, même 800. Puis je l'annule. Hein. Bon, de toute façon, c'est envoyé là-bas directement. Alors, ensuite, il me faut... Donc ça, je balance. Le marbre, on avait dit que c'était mort. Et il me faut déjà couper mon magnète parce que ici, c'est chiant. Alors, il me faut... il me faut... que je dise pas de bêtises. Computer Craft, c'est ça. Donc, Computer Craft. Les Avanced... Ah, le problème des Avanced, voilà, c'est qu'ils sont jeunes. Les moniteurs simples suffiront, hein. Je crois que l'avantage des Avanced, c'est que je peux faire afficher la couleur. Mais ce sera pas nécessaire. Je ferai afficher que du blanc. Oh mais c'est tout simple en plus à crafter ça. Hop, allez. Quoi, j'ai pas plus de... Bon ben... déjà on va les poser. Et on fera les tests après. Alors, est-ce que je peux... Attendez, j'ai coupé le F3 parce que moi, je regarde rapidement ces 2-3 trucs dessus, mais dans l'end, ça n'a pas vraiment intérêt en fait en plus. Ouais, j'ai encore de l'énergie dans ma power suite, donc ce n'est pas trop un souci. À ce niveau-là. Alors, hop. Je remets mon magnète. Ok. Ok, je peux pas utiliser le la build de là-dessus. Bon bah tant pis, hein, on va.
Ok. Bon, à savoir, donc, hein, il y a bien... On dépasse la limite. On dépasse la limite. Est-ce qu'on peut la dépasser de façon à ce que... D'une façon qui me plairait mieux. Un peu plus équilibré. De toute façon, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13, c'est un nombre impair, donc on va avoir notre ordinateur au milieu, et puis bah, on va avoir... voilà, on va bien pouvoir débrouiller. On va mettre un ordinateur ici, et puis on va tester nos... deux ordinateurs. Il y en aura un pour l'écran de droite, un pour l'écran de gauche. Donc voilà, donc on va avoir les deux ordinateurs comme ça ici, avec un startup, et puis ben on va tester deux programmes. On va tester un random math sur l'un, et puis par contre j'ai l'impression qu'ici... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... 13, non, 13 aussi, donc le milieu a l'air d'être ici. C'est ça. Ça, j'ai 6 d'un côté, 6 de l'autre. Donc là, pareil, on fera un écran et puis ben, les deux computers ici. On va déjà les mettre. C'est dommage qu'on puisse pas utiliser la wand de construction sur Computer Craft. Mais bon, on va pas s'en plaindre. Ça nous a déjà beaucoup aidé sur beaucoup de blocs. Faut pas rêver. Alors, qu'est-ce qui est mieux? Le binaire ou le code PHP qui défile? Je sais pas. Moi, personnellement, j'aime bien les deux idées. Le code PHP, ça va pas parler à tout le monde, alors que le code binaire, bon, ça parle pas forcément à tout le monde non plus, mais c'est plus commun, quoi. Je veux dire, c'est plus commun d'entendre parler de binaire que de code, quoi. Enfin, que de code PHP, plus spécifiquement PHP, en fait. À voir... Remarque, le code PHP, enfin le script qui va me permettre de faire défiler le code PHP va être beaucoup plus simple parce que moi je n'aurais qu'à créer un fichier PHP qui, enfin ouais, PHP qui va afficher du texte PHP en brut quoi. Même pas en fait une page HTML en fait qui va contenir du code PHP que j'ai tapé moi-même. Donc du code qui va fonctionner, hein, ça va être du vrai code. Mais ça peut-être moins être parlant à tout le monde. En plus, ça va être du PHP objet, parce que moi je fais de l'objet. Hein? Non. On est bien là. On n'en mettra pas là. Mais bon, il me restera plus qu'à copier le code. Bon, allez, les ordinateurs. C'est ce que j'ai oublié. Ah, je me croirai à la maison. D'ailleurs, j'ai plus les. J'avais un gros écran dans ma chambre avant, mais. Enfin oui, un gros écran dans le sens un écran à tube cathodique là, vous savez, il me servait de double écran quand j'en avais besoin, mais là j'ai dû m'en séparer. Alors, computer, alors on va prendre les computers basiques par contre. Hein. Je sais, c'est moins pratique de développer là-dessus. Oh non, c'est bon, arrêtez de m'emmerder les.
Les mobs. D'accord, par contre, j'ai pas de craft auto pour les computers. Donc c'était basique. Hein. Non. Je voulais, c'est le... C'est que tu me le craves directement. Oh, c'est pas vrai, j'ai loqué. Je suis désolé. Redstone. Redstone. Ok. J'espère qu'il n'est pas labellisé, celui qui est un petit peu isolé là, que ce soit pas un truc qui est déjà servi. Non, comme ça. Il n'est pas labellisé. Ok, très bien. Bon, on va... Alors, attendez, parce que, justement, j'ai un IDE Lua qui m'a été donné par un ami. Je vais peut-être le faire... Oh non, on va le faire en... On va le faire comme ça. Alors, on va créer un try, hein, évidemment. Et après, on le renommera Startup quand on aura fini. Donc, celui-là, on va dire que le bas contrôle la gauche et que le haut contrôle la droite. Ouais, pas... Ne voyez pas dans ce que je viens de dire, quelle que soit de politique. Alors, ce sera la fonction main qui sera à l'appeler à la fin. Voilà. On va partir sur la même logique hein, qu'à chaque fois. Alors, ok. Et puis bien sûr, il va falloir la documentation de ComputerCraft. Petit freeze de mon navigateur, tout va bien. Ok, mon navigateur a décidé de faire grève. Hein. Je suppose qu'il y a un mat random, un truc comme ça en Lua. Allô. Firefox, qu'est-ce que tu me fais? Bon, alors. Computer. Craft. Je jette également un coup d'œil à ma... Ok. Ok, donc écoutez, on va voir ça la prochaine fois parce que mon disque dur est presque plein. Donc je vous dis à plus tard. Je code ça de toute façon et on en reparle.